We are here with Osman. Osman, bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons faire une pastille sur la nouvelle économie, sur la nouvelle forme de croissance. We make a small video about the new economy, the new ways to create growth. I had a long discussion with Osman and we realized that here in Turkey there are a lot of keys, very interesting keys, human keys, cornerstones that make new growth possible. So I will go over those keys with Osman and he will give some examples. Donc je vais pas traverser un peu les clés que j'ai découvert ici dans la discussion que j'ai eue avec Osman sur les nouvelles formes de croissance et les clés ici qu'ils appliquent déjà sur le terrain. Osman est dans le commerce et donc on va apprendre beaucoup aujourd'hui ensemble. Donc tout d'abord, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une forme naturelle de rencontrer les gens, d'échanger, d'accueil, de rencontre et de partage qui est naturelle ici, hein, comme dans ton magasin, quand les gens passent. Oui, les gens qui soit nous connaissent ou soit nous connaissaient pas, même qui ne viennent pas entrer dans le magasin, quand ils passent devant nous, ils disent bonjour. Ça vient de notre culture. Et puis, on dit bonjour à tout le monde, même qu'on ne connaisse pas. Ça, c'est une culture, moi je trouve que c'est une très très bonne culture, qu'il a besoin pour l'Europe aussi. Voilà, donc réellement, nous avons quelque chose à apprendre, hein, dans nos pays occidentaux. On est trop égoïste, on a peur des autres, et donc, the culture here is really culture of hospitality, of meeting people, sharing with people, and we really need to learn about how to, in very simple ways, to meet people and to encounter and to say hi and to share something without thoughts behind, without having to invoice our time. So now, the second thing is that also realize that here in this country there is some sort of natural collaboration, natural help. They love to help people without counting, without invoicing always our time. Donc je me suis rendu compte aussi qu'il y a une forme d'entraide naturelle ici. Vous vous entraidez, vous aimez bien aider les gens sans payer tout de suite. Hein, il y a un échange vraiment. Ouais, là ici les gens ils aiment bien aider avec les gens, mais ça reste pas seulement entre la famille, avec les voisins, avec des gens qui des fois même tu vois des gens qui même qui connaissent pas et ils aident parce que ça vient de nature. Donc si tu aides avec quelqu'un, tu attends rien. Ça veut dire que si tu as donné, après il va pas te rembourser. Donc c'est qu'ils donnaient, ils n'attendent rien du tout. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que c'est là qu'on voit que ici, en tout cas dans nos pays occidentaux où l'économie plafonne, que c'est vraiment cette notion de collaboration, cette notion de croissance collaborative. Et bah oui, ce qui fait qu'on peut collaborer, c'est réellement cette entraide. So the collaborative growth in our Western countries will only work if we are able to help people to meet people, to collaborate without counting every time, and even if they cannot pay, some other way it will come back. Hein? Ça va revenir d'une autre façon, d'une certaine façon. Voilà. Ensuite, et donc s'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de, ça n'existe pas. Non. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut faire mon métier. Moi, je suis un magasin. S'il vient me demander, sans problème, on aide. Il n'y a pas d'entre nous de jalousie. Donc c'est très bien, ça c'est intéressant parce que donc, cette jalousie, en tout cas chez nous, on garde toujours tout pour nous et ici on aide les gens à apprendre un métier. Bien sûr, parce que comme ça, s'il y a quelqu'un par exemple, personnellement, il vient me demander, j'aide et quand j'aide, je pense que ça va donner autre chose pour notre économie qui monte. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très intéressant. Et donc, ça, c'est vraiment une forme, c'est une clé de croissance. It's a key of growth. He said, I'm willing to help somebody who also wants to open a shop. I explain him how I run my shop. And I know that indirectly it will help the growth of the economy. There is no jealousy. They give without counting. And we really have to learn that. Alors, aussi, tu racontais que quand quelqu'un finit ses études, souvent il doit explorer de nouveaux métiers. Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui il y a pas mal de par rapport à avant. Là, avant,
à cause des économies, les jeunes qui n'arrivaient pas à faire les études. Maintenant, il n'y a pas de problème pour ça parce que les États qui aident avec les jeunes qui finissent en études, même qui ne trouvaient pas le métier qu'il a pris l'étude, il fait autre chose. Il travaille dans la terre ou dans le bâtiment ou dans la textile. S'il trouve le travail, il travaille, il n'y a pas de problème. C'est pas obligé à faire son métier. C'est quelque chose aussi que nous devons apprendre, c'est de s'ouvrir à d'autres métiers, d'autres spécialités, même si ce n'est pas dans notre diplôme. So what he says is that in this country, it doesn't matter if you did some studies, you always have to be open to learn new jobs, new business areas, all the time, learning all the time. So in this country, they're really diversified, they have an agility, a flexibility to learn new jobs. So really, really have to learn that. Hein, toi aussi, tu as plusieurs métiers. Hein? Bien sûr, moi, par exemple, là, l'été, saison de la touriste, je travaille là. Et puis l'hiver, j'ai fait toujours autre chose. Chaque année, j'ai fait autre chose. Si tu es dans le textile, tu as un magasin de textile. Et qu'est-ce que tu fais l'hiver, par exemple? L'hiver, je vends un système qui nettoie de l'eau, des systèmes qu'on appelle filtre. Oui, filtre d'épuration de l'eau, voilà. Exactement. Et donc voilà, ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à apprendre. He makes in the summer, he makes textile shop, and in the winter, he sells water purification technology. So, and is and also in dans votre famille, il y a aussi de la construction. D'autres métiers. The family is also in construction business, so they always are together working like an ecosystem, helping to find jobs for everybody. So, et aussi, je me suis rendu compte que vous êtes aussi dans une forme de collaboration. Par exemple, si quelqu'un cherche du travail, vous allez vraiment aider la personne à aider. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, là, ça existe en Turquie partout. C'est pas forcément la famille, mais c'est des voisins à côté de nous aussi qui n'ont pas de travail tout de suite. Quand ils nous demandent, et on appelle des amis, on trouve le travail et puis ils travaillent. Et donc, ça aide. So you see, in this country in Turkey, also, it says we are really helping people to find jobs. So if somebody is here, a young guy or whoever looks for a job, they are looking within the family business or outside with the neighbors. Oh, there is somebody here who looks for a job. So they are really helping everybody, helps everybody to find jobs and to find activities to develop. So oui, il y a beaucoup d'esprit de famille ici, j'ai l'impression. C'est important la famille ici. Hein? Bien sûr, nous on est très famille. Par exemple, je vous dis un truc, je travaillais en Suisse, j'étais parti en Suisse à 13 ans. C'est les premières choses dans ma vie, l'argent que j'ai gagné, j'ai acheté la maison pour mes parents d'abord. Ah. Oui. Et après, le reste, tout ce que j'ai fait pour moi. Mais dès que on est très famille, comme j'ai dit. Et dès que j'ai envoyé mes parents en argent, j'étais deux sœurs aussi. Chaque fois, j'ai envoyé l'argent pour eux aussi, sans attendre rien. Voilà, donc c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que quand il travaillait en Suisse, il avait 13 ans, tu vois? Il y a 13 ans. 13 ans, il travaillait en Suisse. Et son premier argent, il l'a envoyé à ses parents pour que ses parents puissent acheter une maison. Donc, vous voyez, dans notre pays, ce n'est pas comme ça. Vous savez, nous ne nous intéressons pas. Our family. So really this family caring is important here. Et aussi les business dans la famille, les frères, les cousins, tout ça, vous avez tous des business différents, construction, textile, à Istanbul aussi, vous avez des business. Ouais, j'ai beaucoup de familles, surtout sur Istanbul, qui travaillent dans la textile, mais aussi j'ai pas mal de familles aussi qui travaillent dans le bâtiment, il y en a qui travaillent dans la terre, ils font les fruits, les légumes, autre chose. C'est qui dans la village, ils gardent le chèvre, mouton. Il y en a qui travaillent dans la terre. Il y en a qui travaillent dans la terre, il y en a qui travaillent dans le bâtiment. Aussi, il y en a aussi qui travaillent dans la village, qui gardent le chèvre, mouton. Chacun il fait un métier. Donc, mais il y a beaucoup d'interactions entre tous les business différents. Donc vraiment cet écosystème. It's very interesting because he's explaining that in the family business mentality, they have family in Istanbul in a textile industry, they have textile shops, they have construction business, agriculture business, breeding business, and then everybody's connected to everybody. So it's really ecosystem thing. Then
aussi, tu me parlais des fruits et légumes dans le sud, dans le nord, par rapport aux saisons. Donc, vous allez travailler d'un côté et de l'autre. Voilà. Là, ici, l'hiver, justement, dans le nord, il neige, il fait froid. Et puis, tous les fruits et légumes, l'hiver, ça partait d'ici, là-bas. Et en l'été, ça change parce que l'été, quand il fait trop chaud ici, sur la sud, donc c'est sec la terre. Donc là-bas, ça reste à 25-30 degrés. Donc là-bas, il fait les fruits, on va y aller ici. Voilà, donc c'est vraiment la notion de ressources, mettre les ressources ensemble au niveau de tout le pays. C'est de comprendre où les ressources sont et avoir cette agilité, cette flexibilité d'aller d'un côté à l'autre. So what he says is that in this country, they also realize that the resources, depending on seasons, are left and right, and they are able with an agility to put the resources together and have this flexibility to go from one side to the other. So the growth, new growth, if we in our Western countries are able to do this collaboration, si dans nos pays occidentaux on est capable de mettre en place cette nouvelle collaboration ici qui est naturelle, ça va créer une formidable élan de nouvelle croissance et aussi des croissances humaines, hein, ici, l'apprentissage, la collaboration, la motivation, l'esprit d'entreprise, c'est vraiment une croissance humaine ici qui est aussi dans l'économie, dans les gens. Bien sûr, c'est ça surtout qui a monté notre économie aujourd'hui. Les gens, ils sont très très motivés pour le travail. De toute façon, là, les gens, ils ne gardent pas trop le heure. Aujourd'hui, par exemple, moi, je visitais beaucoup le pays et les gens, ils gardent le heure. Ici, les gens qu'on y travaille, des fois, sans attendre rien, sans extra, voire l'argent, il reste un peu de travail, une heure et demie, ils travaillent plus sans problème. Voilà. So, la croissance humaine, ça veut dire la motivation d'entreprendre, la création de connaissances, l'apprentissage, la notion de service aussi. Il y a beaucoup d'attachement à la terre, il y a cette notion de fierté. Nous sommes turcs et nous collaborons ensemble à un projet commun. C'est quelque chose qui nous manque terriblement dans nos pays, cette notion de projet commun, de création de valeur humaine. Donc voilà, so what he says is that here in the DNA of the country, of the people, is the human growth, knowledge growth, education, learning, collaboration, motivation, entrepreneurship. It's in the DNA of this people, and we really have to learn that, because the future growth will be also human growth. Human growth is emotional growth, knowledge growth, service growth, and also the notion of service. There is a lot of pride here. You know, Turks are proud of their land, proud of their people, proud of their economy. Notion of service. We need to also have to learn to be able to serve our country and have this common project that we kind of lost in our European country. So collaborative growth, human and immaterial growth, these are the big growth pockets in our Western economy. We can learn a lot from these. Mais donc, merci beaucoup Osman pour toutes ces explications. J'ai beaucoup appris, je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, il n'y a pas de problème. Et ça fait plaisir que je vois ce reportage avec vous. Oui, vraiment, je vous invite à venir voir son magasin ici, à Siadjik. Oui. Il s'appelle comment la plage ici? Akkum plage. Hein? Akkum plage. On l'appelle en turc Büyük Akkum plage, ça veut dire grand Akkum. On est à côté de la plage. Eh bien, venez passer un bon moment avec Osman ici quand vous passez et on sera enchanté de vous accueillir. Pour l'enseignement, pour voir les histoires de la pays, pour voir la mentalité des gens, tout ce que vous avez besoin d'enseignement sans problème. Eh bien, nous sommes le bienvenu, nous sommes enchantés. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Oh, we are here together with Haruko and with Ulaj. And I'm very happy. Haruko is from Japan. From which city? Chiba. Chiba, where is Chiba? And the next prefecture to Tokyo. I live close to Narita Airport. And Ulaj, where are you from originally? I live in the south coast of Turkey, Mersin. Mersin, but my family from Gaziantep indeed, the southeast of Turkey. Southeast, okay. So we have been having a conversation about the new systemic economy, how we see it, and I would like to run over the advantages of working in this new systemic economy, collaborative economy, creating progress. Et donc de temps en temps je vais traduire. Donc Haruko est près de Tokyo et Ulaj habite près de Gaziantep, c'est au sud-est, Gaziantep, hein, sud-est de la Turquie. Voilà. Et donc nous avons une conversation
je vais vous traduire de temps en temps, sur les avantages et les conséquences de la nouvelle économie systémique. So, we realize that the new economy is going to be new economy, collaborative economy, more collaboration, more systemic, more looking around us instead of growing individually, and also creating more immaterial value, human value. Has a lot of advantages and consequences if we start to work with that. And we just want to have this conversation with you. So the first thing is that we have more agility. So if something happens, we are more agile. If we work more together, we are more agile, more flexible to answer new needs of society. Do you agree with that? We need a more flexible maybe economy, but I mean, you said systemic, more systemic, but you know, if there's one big system and it may be sometimes imposed on people, so you know, there are so many cultures, so many regions, maybe just one big system, it may not be good, I don't know. Exactly, but the systemic way I see it is not a control system, but a system like in the nature. Like you see, everything open, like everything, everybody's sharing with everybody. In the nature, nothing is imposed. It's just a life in between the trees and the vegetation. This is systemic, see? Okay. It's not imposed. It's the opposite of... Systemic. Ecosystem. Exactly. It's not the same, huh? Like system, like Big Brother, huh? This one you call system, like... Right now, present yeah. You me. Mm. It's not like that exactly. But that system is not logical. Not very possible. I don't think it's very possible. No, in history, in Turkey, there has been a lot of military. That's command and control. This is central system. When I talk to the business people here, I see the opposite. A lot of collaboration, a lot of solidarity, and this is the new economy we'd like to inspire. Also, what I have realized that in the new economy, that it will be much more. The learning, education, we will learn from each other much more. Huh? So that's much more cheaper and much more adapted to what is needed in society. We will learn from it instead of learning at school. Huh? Do you believe that? Learning at school, yeah. If you in the school, if you give everything to the children, they can choose. They can choose whatever they want. That's the important point. They should choose themselves. Yeah, I agree with that. Yeah, education is supposed to be chosen by. It's not to be given too much. Children have to choose. That's what I think. There's internet and so many the libraries. Also important. The printed also important. Printed information. There are many kinds of media information. So very important the free access and if the effect of military goes on, especially US, you know, so it's a real big problem. I think it's the biggest problem. That's the contradiction. Some people don't want this new economy, solidarity economy, and some other people want to keep the control. So we have this now, this balance between both. Hein? Donc je vais récapituler un peu en français. Donc la nouvelle économie, plus d'agilité, plus de flexibilité pour répondre à des besoins et aussi l'apprentissage comme Internet, comme tu disais, apprentissage sur Internet, les enfants doivent pouvoir choisir ce qu'ils font et apprendre les uns des autres. Donc dans les nouvelles économies systémiques, ça va être plus rapide, plus cher, plus adapté aux besoins au niveau de l'éducation. Aussi, also in the new economy, we realize that if we start to really work together, we can use the resources much better. There is no problem of resources, energy, housing, raw materials. If we more listen together, a waste of somebody can become a resource for somebody else. This would be new economy. Yeah. More, you agree also? Yeah. But you know, if all the people. If we understand that we don't need weapons, we don't need to fight each other, then we will already solve so many problems in the beginning. Yeah, it's true. So we will not give our time, give our labor to produce weapons or other things. It's meaningless. No meaning. Yeah. Even the rich people, I don't know. Rich people, they are not happy. I think they are not happy. Mm.
So one in one extreme, rich people in one extreme, poor people. They are both group very very unhappy. That's I don't understand. So we have to really start to learn from each other and talk to each other to learn from and to create progress and to basically the new economy is really the society we dream for our children, that they can live happily and realize themselves. And you're very right. You said we are dreaming. Yes. It's very important. We should have our dreams. So if we don't have our dreams, then the other people will dream for us. So we should have our own dreams. Voilà, c'est ça. Donc ils disent qu'on doit pouvoir. Women. Yeah. Yes, absolutely. You agree too? Mm, yeah. Yeah. Okay. Sorry, I'm almost talking. No, it's good. It's okay. But you're a passionate man, huh? It's good. You're a passionate man, huh? It's good. That's very interesting. So, donc il dit vraiment aussi, on doit pouvoir rêver de notre avenir. Si nous on rêve pas pour nous et pour notre avenir, quelqu'un d'autre va rêver à notre place. Donc il y a vraiment cette balance entre les deux, entre le commande et contrôle, un peu militaire, et puis l'émergence de vraiment ces communautés qui veulent créer ce monde dont on rêve. Alors, et donc on disait aussi, la nouvelle économie va également permettre de mettre les ressources ensemble et d'utiliser nettement mieux les ressources. Donc il y a un problème de manque de ressources, donc soit des ressources humaines, des ressources matérielles, des matières premières, des bâtiments, etc. Donc si on réfléchit un peu ensemble, on pourra utiliser les ressources de façon beaucoup plus efficace. Alors, also systemic economy would also say creating more activity. In between, you know, in the forest, you have in between the trees, you have the birds, the insects, and biodiversity. So creating biodiversity economy. So there will be a lot of activities that we can create that can create value for the people, that people can find their future. Huh? Do you think so? I think so. I think so. It's more collaboration active, and also, I don't know, corporations. Cooperation, and in Japan, this cooperation sometimes problem, you know, too much, because we are island, we are living in island mentality. We have to collaborate with other people. We are not supposed to fight with other people. This is sometimes causes personal problem and lots of stress. But on the other hand, I found out to go to one point, it's very easy, it goes very smooth. And in Japan, sometimes we are not easy to decide on things because we listen to other people too much. Yes. Yeah. Yes. Not like a, you know, top-down kind of system. Yes, I heard that in Japan it was also very hierarchical. Lots of hierarchy, and let's make it more rigid. Yes. Is it true? Yeah, it's true. But on the other hand, but those like a group in between groups, they don't want to fight each other. Sometimes they have to listen to each other, and they never decide. Ah, okay. That's also a disadvantage of the rigid system. Yes, yes. And when in ecosystem, it's much more agile. The monkey can go from one tree to the other very easily. So that's the image. Donc la nouvelle économie, c'est intéressant parce qu'on a ici l'explication du Japon. La nouvelle économie collaborative va créer cette interaction à l'intérieur de l'écosystème. Il va créer de nouvelles activités pour que beaucoup plus de gens puissent trouver leur vie, trouver leur voie et trouver une activité. Et Haruko raconte qu'au Japon, donc les grandes structures hiérarchiques, c'est très hiérarchique, donc c'est le contraire de l'écosystème. Et bien que, mais en plus, ils n'aiment pas se battre entre eux, donc ils essaient de mettre tout le monde d'accord. Et donc finalement, on décide rien et ça traîne, quoi. C'est rigide. Voilà, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore au niveau des avantages? Alors, ah oui, social peace. We believe that new economy, as we will collaborate better, understand each other better, where what do you have, what do you need, if we can understand, well, that it will create more listening to each other and more social peace. So there are a lot of small mini revolutions, left and right, when you see the strikes and all, and it's important to have social peace. We believe that communities in this ecosystem will create social peace. In this ecosystem's economy,
we will know each other better, so we will not fight each other. There will be more social peace. Of course, communication, debate, culture, very important. I mean, solving problems without fighting each other, without threatening each other. That's the main issue. I think people should be able to talk and speak everything they want, everything. Yeah. Okay, voilà. Another. Donc la paix sociale. Donc, alors après le after that also we believe that in this new system that you know the welfare state that was in our countries just after the war, social security, pensions and all that, and it's very expensive. It's too expensive now for us. That in this new collaborative we will be more attentive. We will put this cost down because we will care for each other more. Do you believe it's possible? I hope world gonna be like that, but now we spending so much cost for everything. Not only for welfare system is not bad, but the cost is too much for everything. That's the problem, I think. We even though you flush the toilet, you paying. So you need money to do everything. Yes. So I think that if we are more looking around us, we'll be able to have a better health, better education, lower cost, if we are able to put these resources together intelligently. So that means that the cost of the state will be lower. And we'll have to find a way, because the Western countries are bankrupt. So we'll have to collaborate and find new ways. And the systemic economy will allow that. Also, we are always... I think we are always focusing on human beings, but you know we are not so important living organisms. Yeah, we are not so important on the earth. We are just a part of nature. Yeah, we should take care of nature. We should learn to live with nature. That's the issue. It's simple. Life is simple indeed. Is when you look at that, it's simple, huh? And nature and the earth is, of course, part of our ecosystem. Huh? Nature is part of our ecosystem. We are not alone on this earth. You're completely right. We all belong to nature. Nature is not belong to us. No. We all belong to nature. Oh, good. So nature, you know, nature is good. Huh? I think. You feel. Yeah. Donc en fond, moi je parlais de la démutualisation de l'État-providence, et c'est vrai qu'il dit aussi, Ola, je dis aussi quelque chose de très, très intéressant. Il dit au fond, la nature, c'est la nature qui nous possède, c'est pas le contraire, c'est pas nous qui possédons la nature, et donc la nature fait partie de notre écosystème, et donc en étant fonctionnant de façon plus naturelle, ça va être voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'il y avait encore comme avantage? Il y en a tellement, on va en tout cas pas tout. We will not be able to go through to all the advantages of the new economy because I realize that it's going to be enormous. But one of the most important things is the human progress, I think. If we really are able to enter into this new human added value society, the human progress will be much higher, more autonomy, more freedom to realize ourselves, more freedom to develop our full potential. That's everything. I think that's everything. Yes. Yeah, human progress. Human progress. Mm. This is what we dream for our children and grandchildren. Yeah. So on the other hand, there's kind of technological progress and kind of economical system progress, but I think life itself doesn't care for anything. You know, life is life. We should enjoy life. That's all. That's the first thing we should do. Right? I'm not trying to go very far away future. I'm not trying to catch anything. I'm not in a hurry. I don't understand why people are running like crazy and in cars and it's true that even in if we have a job, we should be able to do that, to enjoy life, even with the job. 3-4 hours enough for working. Yeah, and 5 days too many. Too many days for me. Should be 3 days. Okay, we'll all try to. On va essayer. Il dit que 5 jours par semaine de travail c'est trop. 5 days too much. We will try. And what we really dream to this in this new system economy is to have the stress lower, to have a little bit slow down. And this area, you know, this area is Chitta Slow.
It's slow food, biological food, and it's very specific area. That's also one of the reasons I'm here. So we like Dacia too, Dacia Peninsula. Dacia also. Nice. So, and basically bottom line is to reconnect also to nature, to mother here, that I completely agree. And the bottom line is, again, to start to love what we do. And for our children, and I think our children, I mean, my generation children is 11, 15, and they will not accept to do anything that they don't want to. And I think this generation is going to make a big difference. They will not take anything, any shit from nobody. Donc à mon avis, le bottom line, c'est vraiment de réaimer ce qu'on fait. Et je pense que notre génération, la Z generation, 20-22 ans et en dessous, va vraiment marquer l'histoire et ne va plus accepter de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc c'est de la nouvelle économie, c'est l'effet secondaire, c'est aussi de réaimer ce qu'on fait et de pour se réaliser au profit du progrès humain. So, that's a little bit an overview, and I was very, very happy to have this conversation with you. Thank you very much. Thank you. Thank you. So have a very nice trip here. Enjoy. You too. Okay, see you in Japan maybe one day. Yeah. Bu belgeselciler size mi geliyor? Kitap, yüzme kitap. For documentary movies, he says... People come yani here oynarmış. And he helps them and he... Kaç şeylerin hepsi geliyor. İngiliz... Şurada, bir yer var, şurada var. Ya mutfakta arıyoruz da işte, buyurun. Ama ben bak, şey olmuş.